Donc, ouais, on est parti sur le champ de bataille avec des armées naines, des armées humaines et des armées elfes. Et on a poutré des démons et des zombies et des immondices. Oh, puis au passage, on a poutré. J'allais dire un de mes ex, mais c'est pas mon ex. Enfin, c'est un ex-client, mais c'est pas mon ex en soi. Non, juste un ex-client qui était possédé par un démon. Et on a poutré qui? C'est la griffe. On a poutré la griffe. J'ai failli passer, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ce connard là. Nilevan. Ah, il avait une tête de connard, hein. On en a fait quoi de la griffe? Elle est morte ou pas? Non, non, non. Paven l'a ramené à son manoir avec les deux Ah sorts oui, qu'il a c'est ça, invoqués. Paven l'a ramené. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà. Et puis on a eu une scène post-générique où visiblement Lina aurait été enlevée, mais nos personnages le savent pas encore. Du coup, vous vous êtes bien reposé sur ce champ de bataille, vous avez retrouvé un peu vos esprits, vous avez cramé Nilvan. Quels sont Ouais. vos sentiments à la fin de cette bataille? Comment se sentent vos personnages? On va dire, allez, Endel, commence. Bah, fatigué, les vêtements tout déchirés, ah, ces belles tuniques en cuir là, c'est quand même fort dommage. Faut retrouver un forgeron pour réparer tout ça. Voilà. Puis surtout Ah, un peu pardon. tendu là avec l'apparition de la griffe, bon même si on savait que la guilde était un peu derrière tout ça, ça a quand même généré pas mal de stress. Ah bah ouais. Ragnar, comment te sens-tu? Alors bon, moi aussi, je songe à mes pauvres points d'armure qui ont totalement disparu, hein, qu'il faudrait que je retrouve. J'ai aussi une grande envie de me poser et de bien manger le repas habituel. Par contre, je suis aussi un peu intrigué par le fait que Paven avait invoqué deux fées la dernière fois. M'intrigue un peu, quelque part, d'avoir une invocation de fées comme ça d'un coup. Tu m'étonnes. Mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai en ce moment. Très bien. Après, à savoir, entre interroger Paven sur les fées ou aller manger du poney, je ne sais pas qu'est-ce qui est le prioritaire actuellement dans mon esprit. C'est un peu kiff-kiff, on va dire. Et puis, bon, pour l'armure, après, c'est avant de partir au combat. De toute façon, ça peut attendre un peu. Agir. Bonne bataille. De quoi se défouler correctement. Un peu marre de voir les petits copains d'Elendel se pointer à tout bout de champ. Ah, ce dryline, ça va. Et un peu marre de voir effectivement le gérer le SAV de Raylene. Du coup, se questionne sur les possibilités de comment dire de lancer sa concurrence pour éviter ce genre de drame. Pardon? Non. Agir, la hache d'améthyste. Améthyste. Mon Dieu. Pour se faire fendre en deux. C'est la Je suis pas version sûr que en ce soit pour un service sexuel. Je suis pas sûr que ce soit très vendeur, la hache d'améthyste. Pour ceux qui ont envie de choses musclées. Je suis pas sûr que la diplomatie fée s'applique bien dans ce contexte, en fait. Oh, je vais apprendre des trucs de Domina. Après l'exotisme, hein, quand tout le monde va apprendre que Voilà. c'est une fée. Ah oui, Après, clairement, si la tu veux. fétichisation, l'exotisme. Allez, du coup, On attend Raëline. avec moi. Moi, je me dis que j'ai encore. Je dois encore m'entraîner parce que mes sorts, ils étaient pas au point la dernière fois. Paven m'en veut encore un peu. Oh. Oh, ça va, j'ai juste fait un moment un échec critique et du coup tout le monde a pris des dégâts de grêle. Oh, ça va! Ça va, ça arrive à tout le monde. Bah, Repose ton exactement. point d'armure. Oui! Et j'ai hâte, ouais, fatiguée et j'ai hâte de rentrer au campement, de retrouver les enfants et de leur dire qu'on a tout déchiré. Qu'on s'est bien battu et qu'on a vaincu nos ennemis, ils vont être contents, ça va les rendre un peu extatiques. Ça va être cool. Loin de me douter du drame qui va se passer. Oui, et c'est vrai que si tes ex pouvaient rester statiques, on serait contents. Ah, Ah,
Parce que, donc, du coup, vous allez voir l'armée qui va se remettre en marche en direction du... Enfin, non, non, l'armée va rester là, en fait. Vous, par contre, vous allez vous remettre en marche. Donc, Marcus, là, et Hélène, là. Ils vont rester avec les armées, et les autres vont rentrer au campement. Marcus, il n'a pas besoin de se reposer après la... Oui, après... Si, mais ils vont pas directement aller au combat. Oui, non, mais je comprends bien. D'ailleurs... Cam aurait été sympa pour lui, quoi, le pauvre. Ouais, non, allez, ça va être Eric. Et Eric va prendre sa place, allez. Il a quand même fait un joli vol plané, si je me souviens bien. Oui. On me semble bien, ouais. C'est vrai que c'était Marcus qui a fait un joli vol plané. Retour au camp militaire. Avec notre poney personnel. Et notre charrette. Avec le poney qui n'est pas croustillant. Et pendant le chemin, vous allez régénérer... Pendant le chemin, vous allez régénérer un des 20 de mana. Bon, Régir, t'as pas besoin, mais... Oui, moi, même avec le score le plus pourri, je m'en tire. Ouais, un des 20... Ouais. GG. Par contre, oui. Ton armure redescend à un score normal. Régir, vu que tu n'as plus la protection d'Auréline. Oui, bah oui. Ragnar, tu te remontes full aussi, Ragnar. Je fais comme hier. Ah, en 13, ça va. Non, ça va, j'ai fait 13. Du coup, tu peux te régénérer, voilà. Donc vous arrivez au camp, vous voyez Marcus qui va tranquillement avec ses gardes se reposer. Et Lyanna et Paven vont de l'autre côté du camp pour aller se reposer dans leurs tentes respectives. Je vais faire un des 20 aussi pour Paven, parce qu'on... Pour le fun. Oh. Bah surtout qu'il a dû griller pas mal de mana la dernière. Ah oui, bah oui. Il avait 70, il a 70 mana max et il en avait plus que 10. Ah. Ah oui. Ouais, c'est vrai, il a un pool de mana pas du tout élevé. Un peu, ouais. Bah c'est un maître mage. Hein. Du coup, que... Comment plaindre ? Faites-vous en arrivant au camp ? Je cherche les enfants. Et là, la joueuse voit aucun token d'enfant et ça m'inquiète. A priori, ils étaient dans cette tente-là, donc je te laisse te diriger. Bah ouais. Est-ce qu'il y en a qui la suivent ? Je vais suivre au cas où elle fait des bêtises. Oh là là, c'est vrai qu'avec les gosses, je fais vachement des bêtises. Ouais, je vais jusqu'au forgeron, ouais. Priorité, ouais. Réparer l'armure. Bah c'est ça, je vais d'abord faire pour ceux qui vont aller au forgeron. Ragnar aussi, j'imagine, tu vas y aller ? Oui. Ok. Je suis en train d'y aller tranquillement. Okay. Moi j'irai, mais après. Oui. Et donc du coup vous parlez. Mais c'est une priorité les enfants. Vous parlez au forgeron et ce que vous allez faire, ça va vous coûter 5 pièces d'or et vous avez 5 pièces d'or minimum et 15 pièces d'or maximum. Et pour savoir combien de pièces d'or vous allez dépenser, vous allez me tirer un des 20. Pour régénérer toute votre armure. 6. Presque un full, dommage. 13, bon bah. Ah, Elenda, elle est payée cher. Du coup, ça me coûte 6 pour régénérer le... Ouais, vous régénérez toute votre mana et vous enlevez 6 pièces d'or et 13 pièces d'or. T'avais une tronche qui lui revenait pas, Elendale. C'est ça. Tiens, pendant ce temps... Est-ce que bien manger plein de poney croustillant va-t-il me rendre des points de vie? Ouais, justement, ça, avec les soins que vous allez recevoir avec Endel, 2d6 pour savoir combien... Est-ce que vous régénérez vos 2 points de vie restants? Oui, large. Yeah, je suis à blanc. Youpi. Pareil, ouais, moi je suis comme neuf, alors. Comme si c'était rien passé, c'est bon. C'est ça. Bon, on va se rebalancer sur des abominations alors. Oui, ouais, je préférerais que Raven me remette le bouclier avant, mais. Petite précision, Raylin, au niveau du soin, tu peux aussi soigner par rapport avec des plantes aussi. Mais j'ai pas besoin de soins, moi. Ah oui, moi je peux faire ça. Oui. C'est par rapport à des capacités, donc si tu trouves des plantes, oui. Faudrait que je retrouve le nom, tu peux soigner aussi avec des plantes médicinales. D'accord. C'est le genre aussi de plan que tu avais récolté quand tu avais rencontré Ragnar et Aegir. Ouais, et ben écoute, on se fera une session cueillette, hein, de ces quatre. C'est ça. Est-ce que ça pousse bien dans une ville genre Transvaal? Parce que ça pourrait pas servir. Ouf. Non, surtout en ce moment. Pas ouf. Ouais, dommage. Et puis tu veux vraiment faire de la cueillette au milieu de tout le monde? Moi, t'es sûr, le jardin de l'herboriste de la ville, il a pas été épargné des fois, non? C'est-à-dire qu'une partie avec Lamia, l'autre magicienne elfe, elle s'était retrouvée perdue dans la forêt, il y avait des démons qui sont arrivés.
première action d'un des démons, c'était de cramer une herbe médicinale. C'est donc a priori, le jardin de l'herboriste de la ville, il n'existe plus quoi. Ouais, il y a moyen, ouais. Ils n'aiment pas la nature. Du coup, Réline, tu te diriges vers ces braves gardes. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis ? Je viens voir les enfants. Ah, les enfants. C'est. Ils sont plus là. Comment ça, ils sont plus là ? Bah, la petite, elle s'est fait enlever et. Quoi ? Et ouais, elle s'est fait enlever dans la nuit. Les gardes de nuit ont vu des ombres passer. Ils n'ont pas eu le temps de. Ils ont pas eu le temps de réagir. Ils sont fait stun et la petite Lina s'est fait enlever. Du coup. Ils se sont fait assommer, s'il te plaît. Ils étaient assommés. Totalement... Stun, assommé. Oui, ils se sont fait assommer. Et. Du coup, tu m'as fait pas de mémoire. Et du coup, Liam et Morgan sont partis à la recherche. Et du coup, Mathilda est partie à la recherche aussi. C'est pas vrai! Il se serait dirigé vers Transvaal. Désolé! Mais bande d'incompétents! Bande de n'incompétents! C'était la guilde! C'est tout ce qu'on sait. On a trouvé ça dans la tente. Et là, il te tend un petit sac. Et dedans, il y a une pomme. Et dedans, il y a une pomme. Oh, putain. Elle est sculptée avec un smiley ou pas? Non, elle est sculptée avec... Elle est sculptée avec juste trois lettres. D'accord, et quelles sont ces... Bah, du coup, j'ouvre le sachet, je vois la pomme, je soupire déjà. C'est évidemment une pomme. Et du coup, je regarde la gravure. Et ces trois lettres, c'est juste une question. C'est un M, c'est un O... C'est un I. Oh putain, oh. Bah oui, évidemment. On a pu entendre les éclats de voix ou pas de Raylene depuis l'heure où on est. Ah oui, je pense qu'elle l'a gueulé. Bah là, j'ai hurlé. À quoi? Où sont les enfants? Enfin, clairement. Bon bah, du coup, je rends ma gamelle. Et je viens voir ce qui se passe. Apparemment, je montre la pomme et la gravure à Elendael. Lina a été kidnappée. Morgan et Liam sont partis à sa recherche du côté de Transvaal. Bah pareil que toi, je vais lâcher un gros soupir. Et Mathilda les a suivis, oui. Durant la nuit, j'imagine. Bah quand on n'était pas là, donc oui, durant la nuit. Ce serait bien de nous mettre à leur recherche très rapidement. Tu crois que moi voudrais tuer Lina pour se venger? Non. Servir d'elle. Éventuellement la former si elle a estimé que le potentiel de Lina était intéressant. On l'a tuée, je ne pense pas. Question bête, mais on l'avait pas cramée, moi ? C'est vrai qu'elle se régène un peu vite hein, quand même, je trouve. Pour un cramage jours, intégral. Quelques jours. Hein. Bah, même pas une semaine. Ouais. Même pas une semaine. Ça fait plus d'une semaine parce qu'avec le temps de route, on a fait Antilone, ouais. On a fait machin. Ça fait plus d'une semaine quand même. C'est ça. Mais du coup, on en vient à bout comment de cette peste? Aucune idée, mais en tout cas, oui, j'ai pu constater qu'elle avait un pouvoir de régénération. C'est pour ça qu'on l'a cramée, pour qu'elle se régénère pas trop vite, mais visiblement, c'était encore trop vite. Non, mais là, c'est même plus de la régénération, hein. T'es ressuscité, c'est pas la même chose. Ah, c'est une mouette pack. Elle est valide. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a quand même une guerre sur les bras? Bah en même temps, s'ils sont partis vers Transvaal, c'est sur notre route. Outre que nous ne pouvons pas laisser Morgan aux mains de la guilde, je me suis quand même attaché à ces enfants. Vous connaissez quelqu'un qui peut invoquer des choses? Paven. Ouais, mais il est pas avec nous, Paven. Ah si. Il est, il est en train de dormir dans sa tente. Si, mais il est parti se reposer, c'est ça. On va laisser Aegir le réveiller en douceur, ça c'est une bonne idée. Ouais, on peut laisser Aegir le réveiller en douceur. Oui. C'est l'occasion de t'entraîner en vue de devenir la hache d'Amérique. Avec sa hache délicatesse. Du coup, je vais aller voir le forgeron pour faire réparer mon armure. Et moi, je vais quand même accompagner Aegir hein, pour... Très bien, je vous laisse vous diriger. Ragnar, tu vas où? Ah, je vais suivre hein, maintenant, j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai pas besoin d'intervenir, j'ai juste envie de regarder. D'accord. Oula. C'est pareil, je vais regarder essentiellement, mais
Bon, je vais quand même me tenir prêt à intervenir si jamais elle drape. Bon, Réline, tu vas me faire un petit D20, donc pour savoir combien de pièces d'or tu m'enlèves 5 pièces d'or. Je le charme, tu vois que je le charme un peu, enfin que je joue de mes charmes pour pas payer trop cher. Du coup, tu peux t'enlever 5 pièces d'or pour récupérer toute ton armure. 4 pièces d'or. Non, 5. Oui, 4. 5, parce non, que 4. Si tu m'avais laissé finir, j'allais dire comme les autres, 5 minimum, 15 maximum. Ah. Les autres, vous dites... Enfin, Egir, tu te diriges vers la tente de Paven. Oui. Halte là. Le seigneur Paven serait-il disponible? On a le zéro qui est en fugue pour aller rejoindre la guilde de l'ombre. Le zéro, mais de quoi vous parlez? Le petit gamin qui a plein de pouvoirs. C'est un peu une info confidentielle. Un peu. Je lui colle une tarte derrière le crâne. Ouais, je valide cette action. Bon, le gamin qu'on se trimballait avec nous. Ouais. Le gamin qu'on se trimballait avec nous, un des gamins. Oui. Précise. Non, il y en a plein. Il a été enlevé par la guilde de l'ombre. Ah. Et... Non, c'est la gamine qui a été enlevée par la guilde de l'ombre. Oui, bah, je synthétise. Du coup, t'as... Et sans pas même, il y a beaucoup de choses qu'on a des difficultés à les rattraper. Bah du coup, t'as l'un des gardes qui va passer sa tête sous la tente et qui va dire à Paven, « Seigneur Paven, si je vous dis guilde de l'ombre, enfant perdu et... » Il te regarde agir pour autre chose. Et zéro. Oh putain de bordel de merde, j'arrive. Dites-leur d'attendre le feu de camp, j'arrive, je prépare. Bon bah... Feu de camp. Attendez au feu de camp, là. Il y a du potage aux légumes sur le feu de camp ou... Oui, il y a un petit restant de potage. Bon, bah, on va continuer de se restaurer alors. Ouais. Il y a le Paven qui va arriver. On Est-ce que me restaurer, ça me permet de remonter un peu plus ma magie? Mets-toi à 15. Parce que moi, mes points de vie, ça va. Oh, bordel. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Lina a été enlevée par la guilde de l'ombre. Ouais. J'ai retrouvé, enfin, vos gardes ont retrouvé un stack. Dedans, il y avait une pomme avec gravé moi dessus. Putain. Donc, la pomme et moi sont ensemble et ont enlevé Lina. Putain. Et étant donné que Lina est la meilleure amie des deux autres enfants, de Morgane et de Liam, et ben c'était tout naturel pour Morgane et Liam de partir à la recherche de Lina. Ah. Et Mathilda a essayé. Apparemment, Mathilda est partie à leur recherche aussi. Ah, bordel. Ou répéter. Ouais, c'est beaucoup le bordel en ce moment, ouais. Et d'ailleurs, pendant que. Les bordels sont des endroits tout à fait fréquentables. Maintenant que vous êtes tranquillement à côté de Pavel, sans combat à côté. Les plus proches, donc là je vois Réline et Adèle, vous allez me faire un jet de mental. Oh, oh les deux extrêmes quoi. Les deux extrêmes. Alors Réline et Adèle, moi, j'aurais fait un, ça aurait été beau en vrai. Réline et Adèle, je vais même pas regarder ma fiche. Réline et Adèle, la soupe est délicieuse. Mais délicieuse. Je sais pas, je suis en train de la boire hein, mais parce C'est que ça. Je viens de péter ma cuillère. C'est ça. Et Réline, je vais t'envoyer un message. D'ailleurs, vous me voyez jeter les deux morceaux de la cuillère dans le feu. Avec la main légèrement tremblante, quand même. Maître Paven, tout va bien? Ouais, un peu fatigué, mais ça va. Non, vraiment pas. Vous avez quelque chose dans le cou? Il passe un peu sa main dans le cou. Tu vois son regard qui s'attriste de plus en plus. Ouais, je sais. Il y a quelques semaines, j'ai été enlevé par des personnes fort sympathiques. Mais encore. Écoutez, vous en dites trop ou pas assez. Là, à un moment donné, faut développer. Justement, mais non, mais il va discuter. C'est juste qu'il parle lentement. Enfin, c'est lourd pour lui en fait. Tu vois, limite, il a envie de pleurer en fait. Havana. C'est Havana qui m'a fait ça. L'une des mages primordiales. Je sais pas ce qu'elle a à faire dans cette histoire, mais...
c'est quelque chose qui concerne la guilde de l'ombre, ainsi que des mages primordiaux, ce zéro. Tout ça me disait rien qui vaille. Attendez, les mages primordiaux seraient aussi impliqués avec la guilde? Pas tous les mages primordiaux, tous. Certains. Notamment. C'est ce qu'il nous a expliqué l'autre coup. Il y en a, on sait pas. Enfin, il y en a qui servent le roi, l'empereur humain, etc. Mais il y en a d'autres, on sait pas trop de quel côté ils sont. C'est ça. Notamment cette Havana. Elle lui a déjà fait maintes souffrances et elle lui aurait fait apparemment plein de. Des tortures, des sévices, des expériences sur Paven aussi. Est-ce que je peux tenter de le soigner? Est-ce que je peux tenter au moins de découvrir c'est quoi ces vénules noires? Alors, il sait totalement ce que c'est et il va te dire c'est une malédiction. Si la personne qui lui a fait la malédiction, donc Havana, n'est pas détruite ou ne meurt pas d'ici quelques mois, quelques semaines, il lui-même ne sait pas trop combien de jours il lui reste, Paven mourra. D'accord. Plus cette Havana, elle est de l'autre côté du. Pour l'instant, elle est pas sur Centralive. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle a un frère jumeau qui serait justement à Transvaal. Ah, le jumeau maléfique. Ah non, du coup, ce serait elle la jumelle maléfique cette fois-ci. excusez-moi, Paven, petite plaisanterie. Non, c'est ils sont tous les deux maléfiques a priori. Il y a quelques années, enfin il y a même plus que quelques années, il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires, la déesse Apocryphia aurait mis au monde un enfant. Ce que nous appelons maintenant le zéro. Et le truc c'est que les dieux, selon l'une des règles que Nivaria et Nivar ont inscrit pour les dieux, ils ont interdiction d'enfanter. Du coup Apocryphia s'est cachée. Et du coup, elle a caché cet enfant pendant des années. Et elle a même réussi à en faire un deuxième. Et vous le connaissez aussi, c'est Adriander, qui est actuellement mage de la cour de l'Empire de Stellan. Mais c'est pas un mage primordial en plus, lui hein, le... Adriander, si. Les enfants des dieux, comme ça. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce sont des demi-dieux, c'est des mages primordiaux, c'est tout ça. À un moment donné, Apocryphia... La mère créatrice s'est rendue compte que Apocryphia avait mis au monde deux enfants. Et c'est ça qui a. C'est la goutte d'eau qui a déclenché la guerre des dieux. La guerre qui a détruit la lune de Druède il y a plus de 1000 ans maintenant. Et à cause de cette lune de Druède qui a explosé, Apocryphia a été envoyée dans un autre monde. Donc avec Zéro. Pas Adriander est resté là. Et on l'a pas revu depuis des années. Adriander, quant à lui, est resté. Il a essayé de mener le peuple des elfes et des nains, et un peu plus récemment, le peuple des humains. Et pour cela, il a demandé à la mère créatrice, même si elle lui avait privé de sa mère, de l'aider à mener les peuples mortels. Sauf qu'elle lui a dit que tant que son cœur resterait noir, elle refuserait. Du coup, après des années et des années et des années à potasser sur des bouquins, Andrunder a réussi à se séparer de sa partie démoniaque, Azelior, une autre mage primordiale. C'est cette Azelior qui serait la mère d'Havana. Et de son frère. Et par la ça suite. Fait très, ça fait très Dieu et Satan petit cœur, tout ça. C'est un peu ça, ouais. Et par la suite, Solaria, Stellaria, Gimlin et Torm sont nés pour guider le peuple des elfes, des nains, des gnomes et des fées. Donc Solaria pour les elfes, Stellaria pour les nains, Gimlin pour les gnomes et Torm pour les fées. Gimlin. C'est pas. Il l'a fait ce con. Pardon. Évidemment. Et pourquoi pas Gimlin pour les nains du coup? C'était plus logique. Non, parce que là c'est Stellaria pour les nains. Et je me dis qu'il y avait de logique.
Parce que les gnomes, c'est un petit peuple. Donc il faut un petit mage. Des questions, des problèmes, des remarques? Ah, vous avez juste entendu Elendel lâcher. Hein. Il est très bon, ce potage, hein, à un moment donné. Les dieux et leurs connards. Ah, des histoires de dieux, quoi. Il pourra répondre la même chose, hein, les mortels et leurs conneries. Hein. Oui, mais nous, on fait moins de dégâts, on a moins de possibilités de faire des dégâts. Faut voir. Hein. Moi, juste, quand est-ce qu'on bouge pour sauver les gosses? Mais sinon, non, sur la théorie, c'est pas le moment pour moi. Ouais, c'est un peu... J'avoue que là, c'est... pour Aileen, c'est un peu pareil. C'est, écoutez, c'est super intéressant, j'ai bien envie de prendre d'autres cours théologiques avec vous, hein, mais... Mais là, tout de suite, on a autre chose à faire. Désolé si vous êtes en train de crever, mais on doit bosser. Bah, de toute façon, l'état d'esprit du général, c'est que là, tout de suite, on peut pas y faire grand-chose, quoi, donc... Vous voyez qu'en silence, il va se lever, il va aller dans sa tente. Ah bah maintenant, il boude. Il va attendre. Fais pas le con, Gaston. Il va attendre quelques minutes et il va ressortir. Il va ressortir avec deux grosses pierres de Varias. Ah. Il t'entend une, Raylin. Oui. Et tu vas récupérer toute ta mana. Ah, cool. En la siphonnant. Et lui, pareil. Eh bien, je vous remercie. Vous allez voir qu'il va se concentrer. Et vous allez voir, tout petit à petit, une créature apparaître juste devant lui. Ah. Mais c'est Grey. Casse-cou. Non, c'est pas Grey. Non, c'est pas Grey. Ah zut. Non, ça reste un casse-cou. Il peut pas invoquer Grey. Grey n'est pas mort. Ah oui, non. Oui, mais ça reste un casse-croûte. Oui, parce que pour la petite explication du lore, pour les mages d'invocation invoquent leur créature du plan astral. Du coup, Pavel va vous demander, vous avez un effet personnel qui appartient aux enfants pour pouvoir leur nifler. Il doit bien y avoir cela dans la tente, oui. Bon, du coup, je vais me diriger vers la tente des enfants. Il y a bien, ouais, une couverture ou quelque chose sur lequel les enfants ont dormi. Le sac qui contenait la pomme, le sac à la base, c'était pas eux? Non, pour le coup, je pense que c'est la pomme qui a laissé un sac avec une pomme. En fait, c'est ce que j'ai dit, je vais me diriger vers la tente. Elendel, donc, je vais me diriger. Et tu me fais un jeu de mental. Fais-moi un jeu de mental, Elendel. Ah, je pense que c'est bon. Ça passe. Donc en effet, tu trouves une couverture qu'ils ont utilisée. Même tous les trois à tour de rôle, clairement, il y a l'odeur des trois dessus. Ok, bah, je vais la ramener directement. Et sinon, on peut essayer de chercher la pomme, justement. Donc qu'est-ce que vous voulez faire renifler au loup? J'irai quand même les gamins, parce qu'on n'est pas sûr que Pomme soit restée avec les gamins. Déjà. C'est vrai. Ouais. On n'est pas sûr qu'il soit arrivé jusqu'à la pomme. C'est vrai que notre pomme pote, il a pu partir. Ouais. Puis on préfère quand même retrouver Liam et Morgane avant qu'ils tombent sur la pomme et moi. Possible. Oui. Ouais. Tu veux dire que tu préfères qu'ils tombent sur toi avant de tomber sur moi? Exactement. Exactement. Du coup, vous faites ça. Et du coup, vous partez tous les cinq à la recherche des gamins en laissant le camp comme ça? Bah, y a des gardes, même s'ils sont pas très capables, y a quand même des gardes. C'est ça, enfin... Les gardes... Les gardes, ils vont aller à la guerre. Hein. Oui, mais c'est pas à nous de nous occuper de cet avant-poste, à un moment donné... Et puis en même temps, tu veux défendre quoi, ici? Y a quoi à défendre? Bah, y avait les gamins. C'est ça, y avait les gamins, ils sont plus là, donc on se casse, et puis c'est tout, hein. Du coup, le plan, c'est... Vous avez réussi à reprendre ce village-là. La troupe d'Eric et d'Elena vont aller au port pour reprendre le port et envoyer les mages pour reprendre le port. À la bataille. Pendant ce temps, la paladine et Marcus vont reprendre cette porte-là. Et la question, c'est est-ce que Pavel les accompagne ou vous accompagne? Vaut mieux qu'il les accompagne, je dirais. Nous, on peut nous laisser, de toute façon. Nous, on s'occupe. On est où, nous? Nous, on fait quoi? On est où? Alors, clairement, vous allez vous diriger. Enfin, le loup va vous diriger vers par là. Vers une faille dans la muraille. Attends, où est-ce qu'on avait mis le 1? Parce que là, je vois le 2. Le 1, c'était là, c'était la ferme. Le 1, on l'a fait. C'est ça. Ah oui, le 1, on l'a fait. Ok. J'ai fait ça au fur et à mesure. J'aurais tendance à dire qu'on laisse Paven avec Eliana et je sais plus comment il s'appelle. Marcus, je crois. Oui.
Sachant oui, que lui va vous dire que l'endroit pour refermer la faille est par là. Donc lui, il aurait tendance à aller avec vous. Oui, parce qu'on devait libérer le port pour libérer les mages. C'est ça. Oui, on va aller en avance là-bas, en mode, bon, ben, on arrive à la faille, mais on peut rien faire. C'est ça, c'est que là, on va arriver, on n'aura pas les six mages, on aura Morgan, Raylin, Paven, ça en fera trois, il en faut six. Il y aura peut-être Sarah, mais on n'en est pas sûr. Donc au mieux, ça ferait quatre. Même s'il vient avec nous, il n'y a pas assez de mages pour fermer la faille, a priori. Non. Mais peut-être que vous allez rencontrer sur la route. Là, c'est le MJ qui le dit avec un gros clin d'œil. D'accord. Eh ben, viens avec nous, Paven, alors. Non, parce que... Allez, alors, petit point hors sujet. Il y a moyen que pour le boss, ça va être un très gros boss, et je fasse rejoindre vos deux groupes pour affronter le boss, pour ensuite vous reséparer. Oui, oui, t'en avais... Oui. Trop bien. Je crois que ça a été évoqué un peu dans le temple du JDR hier soir, en plus. Ouais. Oui. Oui, parce que en plus de ce que j'ai vu, c'est que eux, ils ont Sarah. Oui. Spoiler. Nous, on a Morgan et eux, ils ont Sarah. Spoiler. La MJ qui spoil sa propre campagne, bravo. C'est ça. Ah, c'est pas vraiment spoiler, c'est Toldark, mais... c'est Toldark qui a dit... C'est Toldark qui a dit, bah, ils ont un gamin qui cherche notre gamine. C'est ça. Oups. J'ai tapé sur les doigts. Oh, il aurait tout à fait pu parler non, bon, d'accord. Ah, c'est ça, il a dit, ils ont un... Au vu des vidéos, ils ont un gamin qui cherche notre gamine. C'est ça. Il n'a pas été malin. Du coup... Ça va faire beaucoup de monde à gérer en JDR, là. Bah, pour le boss final, ça devrait gérer. Bah, du coup, je pense qu'on va laisser à Paven le choix de nous accompagner ou d'aller... Je pense que Paven va vous accompagner. En fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez accompagner la petite armée qui est là, et au moment où ils vont lancer l'assaut, vous allez vous diriger vers la faille, là, comme ça. Ok. En mode, voilà, vous foncez dans le tas, nous on se casse. C'est un peu ça, ouais. Bah après, de toute façon, les autres commandants ont quand même eu un plan de la ville et ils savent que la faille est par là, quoi. Oui, oui, bien sûr. Donc ils vont vous rejoindre par l'intérieur, oui. Non, puis surtout, ils savent pourquoi est-ce qu'on préfère cette voie-là plutôt que passer par les portes. Oui, oui, bah oui. Enfin, ils peuvent s'en douter, en tout cas. Vous avez fait le plan ensemble, donc oui. Entre parenthèses, c'est pas de la désertion, c'est ça que je voulais. Oui, oui. Non, mais ils considéreront pas que vous désertez. Tu crois qu'il y a du poney croustillant encore à Transvaal, ou est-ce qu'ils l'ont aussi détruit comme les herbes? Ah, bah ça, pour savoir, faudrait peut-être aller essayer de trouver les réserves. Ah oui, j'avais oublié, je voulais demander, si j'ai oublié un truc, je voulais demander justement si je pouvais pas récupérer des herbes médicinales ou des trucs comme ça. Demandez ça à Paven, j'ai oublié. Fais-moi un dessin. Oh, oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Bah écoute, faut bien contrebalancer avec mes malheurs, hein. C'est ça. Alors, bah du coup, il va te donner 4 herbes médicinales. Et il va te dire qu'avec 2 herbes médicinales, tu peux créer 2 pâtes médicinales qui permettent de lancer un D6 pour soigner quelqu'un. Ah, bien. Donc elle peut créer 4 pâtes médicinales au total, quoi. Non, 2 pâtes médicinales. 2 herbes pour une pâte. Ah. Parce que moi j'avais compris 2 herbes pour 2 pâtes. Hein. Oui, c'est ce que vous avez dit au départ. Autant pour moi, je me suis mal exprimé. Et si par contre tu attends d'être, je sais pas, dans un labo d'alchimie ou enfin un truc bien spécifique pour créer des potions de vie, là par contre, avec une herbe, tu peux faire une potion de vie. Une potion de soin. D'accord. Bah, vu que j'ai le temps, vu qu'on n'est pas encore sur le champ de bataille, je vais préparer mes 2 pâtes, hein. Oui, surtout que là, clairement, en fait, les pâtes médicinales, tu peux même les préparer, je sais pas, t'es perdu dans une forêt, imagine, tu es perdu dans la forêt, tu trouves 2 herbes médicinales, tu peux faire une pâte médicinale pour te soigner. Dans mon inventaire, je rajoute 2 pâtes médicinales. Oui, si tu l'as fait maintenant, oui. Oui, je l'ai fait maintenant. Ok, parfait.
C'est très raccord, tu es un bipède médicinal. C'est ça. C'est un des six, t'as dit, hein. Oui. Ok. Du voilà, coup, c'est rajouté. Vous y allez direct? Bah oui, là, du coup, on y va. De toute façon, on est tous à peu près en état de combattre, là. Ouais.